Salut la famille! Et cinquième jour de marche. Hier c'était le jour le plus difficile. Quasiment. On a commencé avec 500 mètres de dénivelé positif. Descendre quasiment 2000. Et remonter 1500. Donc on est 4, Brésiliens, Espagnols, États-Unis et moi. Et on avait mangé 6 fruits. 6 fruits pour 4 au petit déjeuner, donc quasiment rien dans le bide. Et on est arrivé vraiment fou. Je crois que j'ai jamais été autant éclaté quoi. Chaque mouvement difficile, c'était impressionnant quoi. Vraiment une. Au point rouge où t'as la tête qui tourne, où t'arrives même plus à réfléchir, où t'as envie d'envoyer chier tout le monde. Mais le chemin vaut vraiment le coup. Bon, au moment où je commence à filmer, bien sûr, il n'y a plus de fleurs. Mais toute la partie là qu'on vient de passer, incroyable les couleurs. Il est relativement tôt. Et quand il est tôt ici, il fait ce temps-là. Le chemin est vraiment beau là. Vraiment, c'est. Ça envoie du pâté quoi, j'adore. Et bueno. La vue hier soir était incroyable. On voit un glacier là à plus de 5000. Là on est à la fin de cette journée, on devrait arriver à 4000 et quelques. 4100. Et là on doit être à 3000. Je sais pas, on a 1002 je crois de dénivelé positif. Et on a rencontré des Français. Qui eux, pour la même expédition, ont pris un tour. C'est 8 jours là, normalement. 8 jours de trek de Cusco à Machu Picchu, en passant par le Choquequirao, qui sont des ruines incas tambiennes. Et eux, ils ont payé 800 $ par tête. Donc 100 $ par jour et par personne. Nous, on devrait s'en sortir pour entre 100 et 150 $ par personne. Avec les entrées au Machu Picchu et tout compris quoi. Allez, une petite. On voit qu'ils en chient. Et voilà, ambiance. Ambiance 13e guerrier. On attend de se faire couper la tête. Bisous, ciao!